Gloire à Dieu. Donc nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne encore ce soir d'être dans sa présence et nous prendrons un temps pour prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour le privilège que tu nous donnes encore ce soir d'être dans ta présence pour t'écouter, pour être enseigné par toi. Nous te bénissons pour le parcours où tu nous conduis depuis ces dernières semaines, le chemin qui mène sur le chemin de la croix. Nous te bénissons pour ce que cela produit dans les vies. Nous te bénissons pour les transformations. Mais c'est parce que tu vas utiliser ces enseignements afin de nous transformer en ton image de gloire en gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Et cet enseignement est diffusé comme toujours en ligne. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui seront connectés, de pouvoir émettre vos questions et vos interrogations. Nous commencerons par des questions. Depuis déjà quelques semaines, nous avons un parcours. As-tu des questions, des interrogations ou des choses qui t'ont béni pendant ce parcours d'enseignement? Sois libre donc de nous partager cela afin que la gloire revienne à Dieu et que le peuple de Dieu soit édifié. Donc, si tu as un témoignage, si tu as suivi l'enseignement et que tu as été béni par un élément, sois libre de partager ce qui t'a béni ou ce que le Seigneur a pu faire dans ta vie depuis cette dernière semaine. Donc, sois libre. Et si tu as des questions également, des incompréhensions, sois libre de poser tes questions. Nous allons essayer ensemble d'apporter des éléments de réponse. Gloire à Dieu. Donc, maintenant, s'il n'y a pas de questions, au moins ceux qui ont suivi les enseignements, qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois? Qu'est-ce qui t'a marqué par rapport à la dernière fois? Qu'est-ce que nous avons vu? C'est le dernier enseignement ou les derniers enseignements. Au moins un élément qui t'a marqué durant ces derniers enseignements, tu ne nous diras pas que rien ne t'a marqué ou tu n'as pas été béni. Donc, si tu as quelque chose qui t'a marqué ou si tu veux nous rappeler ce que nous avons vu, un élément que nous avons vu qui t'a saisi, et sois libre également de partager cela. Okay. Gloire à Dieu. Donc, nous allons continuer dans notre parcours. Amen. Donc, notre parcours est institué le chemin qui mène sur le chemin de la croix. Nous sommes à la cinquième session sur ce parcours. La semaine dernière, nous sommes arrêtés sur un point majeur. Nous avons dit beaucoup de choses, mais un des éléments que nous avons mis en évidence, c'est que déjà le chemin qui mène sur le chemin de la croix, nous avons dit déjà depuis ces enseignements passés que tout commence au trône et tout finit au trône. Nous avons dit, pendant la vie sur la terre, le Seigneur nous invite donc à nous approcher du trône de grâce afin d'être secourus dans nos faiblesses. Et tout homme sur la terre est appelé à l'au trône de grâce. Et nous avons également dit que tout finit au trône. Et tout finit au trône, soit en deux étapes, pour ceux qui auront refusé sur la terre d'aller au trône de grâce pour obtenir miséricorde, seront devant le trône, mais néanmoins pour être jugés. Tandis que ceux qui seront allés au trône de grâce, ne seront pas devant le trône, mais seront assis sur le trône pour juger. C'est ça qui fait la différence entre ces deux catégories de personnes. Et nous avons dit, maintenant, nous approcher du trône de grâce au travail de la croix. Et on s'approche de la croix en se dépouillant. Amen. Et nous sommes revenus donc pour voir Jésus-Christ sur le chemin de la croix. Et nous avons commencé par mettre en évidence un élément, la dernière fois, sur lequel nous avons achevé l'enseignement, sur le fait que ce n'est pas toute croix n'est pas la croix que le Père nous donne. Et nous allons lire un passage qui va rapidement nous remémorer ce que nous avons dit la dernière fois. Nous allons lire, je veux dire, Jean chapitre 18, verset 11. Donc dans Jean chapitre 18, au verset 11, la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus dit à Pierre,
remets ton épée au fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? » Donc Jésus nous enseigne que la croix, c'est une coupe. Mais la croix, c'est une coupe que le Père donne. La croix, c'est une coupe que le Père donne. Donc ce n'est pas toute croix, ce n'est pas toute coupe que le Père donne. Donc tu peux passer par une situation et tu dis « c'est ma croix ». Non, ce n'est pas toute croix qui vient du Père. Amen. Ce n'est pas toute croix qui vient du Père. C'est ce que Jésus nous enseigne. Il dit ici aux disciples, ne boirai-je pas la coupe que le Père me donne? Et on va voir un élément qui marque cela. Et comme nous avons achevé la dernière fois, lorsque Jésus fut crucifié, à la crucifixion de Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus était crucifié. Et il y avait à gauche et à droite des brigands qui avaient été crucifiés avec lui. Nous allons rapidement lire un passage dans Jean chapitre 19. Et la Bible nous dit ici de Jésus-Christ crucifié. Donc, on écrit sur, donc au verset 21, les principaux sacrificateurs des Juifs dit à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais il dit, je suis le roi des Juifs. Et Pilate répondit, celui, ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Donc nous avons vu également que quand tu portes ta croix et que tu vas, la croix que le Père te donne, tu pars à la croix, Dieu utilise même ceux qui ne sont pas croyants pour pouvoir prêcher l'évangile à ta place. Pilate était devenu un prédicateur de l'évangile. Amen. Donc, toute croix n'est pas la croix que le Père nous donne. À la droite de Jésus-Christ, il y avait un brigand. À la gauche de Jésus, il y avait un brigand. Et ces brigands étaient également sur des croix. Est-ce dit donc que leurs croix-là, c'était les croix que le Père leur donnait? Non. Donc, nous sommes en train de travailler sur le chemin qui mène sur le chemin de la croix. Mais nous voulons souligner avec force que ce n'est pas toute croix qui est la croix que le Père donne. Jésus-Christ a précisé ce qui relevait de sa croix. Il a dit, ne boirai-je pas la coupe que le Père me donne? Donc, la croix du Seigneur, c'est ce que le Seigneur avait prévu pour lui. C'est l'appel du Seigneur spécifique à lui adresser. Et ce n'est pas tout ce qui se passe dans ta vie, comme nous l'avons souligné hier, la dernière fois, mercredi passé, qui relève de la croix que le Seigneur te donne de porter. Ce passage nous présente donc deux grandes catégories de croix. Donc, il y a des croix que le Seigneur donne de porter, mais ça vient de Dieu. Ce sont les éléments, c'est ta coupe que Dieu te donne. Et quand Dieu te donne ta coupe, nous verrons donc aujourd'hui ce chemin sur la coupe que Dieu te donne, comment le Seigneur agit, comment il faut agir, la réaction du croyant. De l'autre côté, il y a la coupe qui ne vient pas du Seigneur. Ça peut être une belle croix, mais cette croix n'est pas de Dieu. Donc, lorsqu'on parle de la croix dans la vie et le ministère du croyant, il y a également des croix, mais qui ne viennent pas de Dieu. C'est donc, ce ne sont pas de cette croix que nous parlons ici. Parce que la croix qui ne vient pas de Dieu, c'est cette croix des brigands. Il y a la croix de vol, il y a les croix d'immoralité. Il y a des gens qui portent des croix à cause de leur péché passé, à cause de leur vol. Alors, ils subissent des croix. À cause de leurs immoralités passées, ils subissent des croix. Alors, à cause de leur tricherie, ils subissent des croix. À cause de leur désobéissance, ils subissent des croix. Et ils disent, ah, c'est ma croix, je porte seulement ma croix. Non, cette croix-là, toujours se poser la question, est-ce la coupe que le Seigneur me donne? Et cette coupe que le Seigneur te donne doit être conforme à la parole de Dieu. Amen. Donc, et si cette coupe, tu identifies cette croix-là, n'est pas la croix que le Seigneur te donne, alors il y a deux alternatives pour ce type de croix. Première alternative, soit c'est une croix de péché, liée aux conséquences du péché, alors c'est la repentance. Soit c'est une croix liée aux malédictions, aux liens, alors c'est le brisement des liens, pour que tu sois déchargé d'une telle croix qui ne vient pas du Seigneur. Amen. Donc nous revenons sur la croix que le Seigneur donne. Nous voulons souligner d'abord ces éléments, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Parce que la question de la croix ramène les gens à utiliser la croix maintenant comme des expressions vagues. Tu passes par une situation, tu as commis un péché, et tu es en train de subir les conséquences de ton péché, et tu dis, c'est ma croix. La Bible dit de porter sa croix. Au lieu de te repentir, tu te dis, non, c'est ma croix. Au lieu de faire des restitutions, tu dis, non, c'est ma croix. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a une croix que le Père donne. Il faut dire, est-ce que la croix que je porte, c'est la croix que le Père m'a donnée? Amen. Ce n'est pas toute croix qui est la croix que le Père donne. Il peut y avoir trois croix, mais sur les trois croix, il n'y avait qu'une seule qui était celle
que le Père avait donnée. C'est pour ça que l'un des brigands avait reconnu que sa croix à lui n'était pas la croix que le Père avait donnée. Et il s'est repenti auprès de Jésus et a imploré d'entrer au paradis. Et Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Il a décidé de prendre celle que le Seigneur donne. Donc, nous allons continuer dans le parcours sur la question donc de la croix, le chemin qui mène sur le chemin de la croix. Nous revenons dans Jean, que nous avons lu. Donc, la Bible nous dit ici, dans le livre de Jean, nous allons lire Jean, chapitre 11, chapitre 8, 18, du verset 11 jusqu'au verset 13. Nous allons également lire Luc, chapitre 22, du verset 39 au verset 46. Donc, je vais commencer par lire la parole de l'Éternel. Amen. La Bible dit, Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» La cohorte, le tribun et les gardes des Juifs saisirent alors Jésus et le lièrent. Il l'amenait d'abord chez Anne, car c'était le beau-père de Caïphe, qui est souverain sacrificateur quant à moi cette année-là. Donc, la Bible nous dit une chose ici, c'est qu'on a lié Jésus. Je répète, on a lié Jésus. Donc, il y a des liens qui proviennent de la croix, de la coupe que le Seigneur te donne. Il y a également des liens qui proviennent des croix, qui ne sont pas les croix que le Père donne. Et lorsque je lis ce passage, je pense ici à l'apôtre Paul. Lorsque le Seigneur appelle l'apôtre Paul, et lorsque Agabus, le prophète Agabus les rejoint, et il lit, c'est moi avec la ceinture, et il dit, celui donc qui a cette ceinture, voici ce qui va arriver, il sera lié. Je pense à Paul, je pense également à Pierre, qui, lorsque le Seigneur le faisait part de la coupe qu'il devait boire, lorsque le Seigneur l'appelait, lorsqu'on lit les Écritures, Pierre même tu, dans 1 Jean, paie mes agneaux, Pierre même tu, paie mes bébés, Pierre même tu, paie mes agneaux. Qu'est-ce qui se passe? Jésus dit à Pierre, tu sais, quand tu étais jeune, tu te faisais saint et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre va te saindre, on t'amènera où tu ne veux pas. Et la Bible nous dit, Jésus parlait ainsi pour indiquer de la façon dont il devait mourir, dont la mort devait glorifier Dieu. Donc, Jésus avait averti Pierre, oh, voici la coupe que tu vas boire, la coupe que le Père va te donner. Et c'est cette coupe-là qui va glorifier Dieu. La coupe que le Père donne a une caractéristique, c'est qu'elle glorifie le Père. La coupe que Dieu donne glorifie Dieu. Amen. La coupe que le Dieu donne, la première caractéristique, c'est qu'elle glorifie Dieu. La Bible dit, on lia donc Jésus-Christ. Donc, il y a des liens qui sont des liens qui glorifient Dieu. Mais il y a des liens également qui sont des liens issus des croix qui ne viennent pas du Père. Ces liens, on les brise. Amen. Donc, sur le chemin de la croix, il y a des liens. On a lié Jésus. Et sur le chemin de la croix, nous allons continuer à lire dans Luc, chapitre 22, verset 39 à 46. Je lis rapidement la parole du Seigneur. Luc chapitre 22, 39 à 46. Luc chapitre 22, voici ce que dit la parole. Après être sorti, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il pria plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se leva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis et tristes. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez
afin de ne pas entrer en temps. Amen. Donc, nous voulons dire d'entrer et avec force. Donc, la croix, sur le chemin de la croix, que le Seigneur nous donne, de la coupe que le Seigneur nous donne, qui relève de l'appel de Dieu sur nous et des exigences liées à l'appel de Dieu sur nos vies. C'est ça la croix que le Seigneur donne. Amen. Je veux qu'on ressente très bien la croix. Il s'agit ici de l'appel de Dieu sur nos vies et des exigences au quotidien liées à l'appel de Dieu sur nos vies. Donc, Dieu avait un appel pour Jésus-Christ. Et cet appel était lié au salut de l'humanité. Et cet appel était lié à la rédemption et au fait de porter tous les péchés, les maladies, les infirmités de l'humanité et les crucifier au bois, de telle sorte que tu sois fait malédiction pour que l'humanité soit fait bénédiction. Cela relevait des exigences liées à l'appel de Dieu sur la vie de Jésus-Christ. Et ces exigences liées à l'appel de Dieu sur sa vie avaient été données du Père. Et c'est ce que Jésus appelle là. Et il devait la boire afin que le cœur de Dieu soit satisfait, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. C'est ça dont on parle, la croix. Ce sont les exigences liées à l'appel de Dieu sur ta vie au quotidien, à ta marche chrétienne au quotidien. Donc, pour gérer donc la croix de Jésus, Jésus, dans son cas ultime, qui était donc en train d'entamer le chemin qui devait le mener à la croix. Le chemin qui devait le mener à la croix, la croix qui le mènerait à la gloire plus tard. Comment Jésus a géré cela? Comment Jésus a géré cela? La Bible nous enseigne ici comment Jésus a géré cela. La Bible nous dit la première chose. J'ai fait une échelle à 5 marches. La première chose, c'est la prière. Amen. La prière. Jésus connaissait les exigences. Nous avons dit qu'il y a une nécessité de connaître la coupe que le Seigneur te donne. C'est une nécessité. Si tu ne la connais pas, cherche-la. Cette coupe est relative à l'appel de Dieu sur ta vie. Cette coupe est relative aux exigences liées à l'appel de Dieu sur ta vie au quotidien. Et cette coupe est relative à ta vie chrétienne au quotidien. La Bible, il y a un ensemble d'exigences qui constituent cette croix. Amen. Et Jésus, dans ses exigences qui constituent sa croix, pour pouvoir porter cela, pour entamer ce chemin de façon victorieuse, la Bible dit que Jésus est allé au lieu habituel. Il avait un lieu habituel, oui. Ce n'était pas ce jour-là que Jésus a commencé à préparer. Oh, les contraintes liées aux exigences qui étaient devant lui. Jésus avait commencé bien avant. Jésus connaissait bien avant les exigences de Dieu sur sa vie. Jésus connaissait bien avant les exigences en tant que fils de Dieu et de sa marche terrestre. Et Jésus avait l'habitude de prier. Il avait un lieu où il priait. Et la Bible nous dit, au moment critique où les exigences étaient lourdes et pesaient sur lui, la Bible dit que Jésus-Christ est allé au lieu habituel. Est-ce que tu as un lieu habituel, frère? Est-ce que tu peux te dire, j'ai un lieu habituel? Dans ta maison, il y a un lieu habituel. Ou tu as un lieu habituel, ou c'est là-bas, c'est là-bas. C'est ton lieu. Jésus avait un lieu habituel. Lorsqu'on aborde les exigences de la croix, ils te font un lieu habituel pour la vie. On n'aborde pas la croix sans la prière. La Bible dit, Jésus est allé au lieu habituel pour prier. Et Jésus n'a pas juste prié en ce moment. Au moment où les exigences de l'appel de Dieu sur sa vie, les exigences liées à la croix, à sa vie chrétienne au quotidien, pesaient sur lui, la Bible dit, il a donné une prière saignante. Nous allons lire un peu la prière, relire la prière saignante du Seigneur Jésus. La prière saignante, il est allé un jet de pierre. La Bible nous parle ici de deux mots de prière d'abord. Il y avait la prière avec les autres. Donc Jésus avait amené ses disciples pour prier avec lui. Mais il s'était également retiré seul. Et il a été allé un jet de pierre. Il s'est jeté à genoux. La Bible dit qu'il s'est jeté à genoux. Parce que les exigences liées à son appel pesaient. Jésus savait qu'il n'avait pas d'autre choix et d'autres alternatives que Dieu. Ses capacités naturelles en tant qu'homme ne pouvaient pas l'aider à porter ses exigences. Alors Jésus-Christ est allé prier et il s'est jeté. Est-ce que les exigences liées à l'appel de Dieu, c'est-à-dire, ont tellement pesé sur toi
Jusqu'à quand tu pries, tu te jettes au sol, tu te jettes à genoux, tu te jettes. Est-ce que les exigences où tu prends ça à la légère? Bon, c'est la croix, Dieu va me fortifier. Non, Jésus-Christ était fils de Dieu. Il était Dieu totalement, entièrement, mais il était dans une nature humaine. Mais Jésus, dans ses exigences, a prié. La Bible dit, Jésus-Christ a prié. Et une prière exigeante, il s'est mis sur ses genoux. Et c'était au lieu habituel. Donc, note dans ton cahier, est-ce que tu as, si tu n'as pas un lieu habituel, frère, définis un lieu habituel pour la prière. Ça t'aidera au moment critique où les exigences liées à l'appel de Dieu sur ta vie, au moment où les exigences liées à l'obéissance que Dieu t'a dit de faire, où Dieu te dira, te montrera, sera sur ta vie, que tu sois fortifié. Il te faut un lieu habituel. Amen. La deuxième chose que nous posons ici comme jalon, que Jésus nous montre, comment on aborde le chemin qui mène sur le chemin de la croix et comment on aborde sa croix. Et quand Jésus avait vaincu à ces éléments, la victoire était accomplie. La Bible dit, Jésus a abandonné sa volonté propre. Il a abandonné sa volonté propre. Il a dit au verset 42 de Luc, chapitre 22, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Oh, lorsqu'on aborde, c'est la victoire sur la capacité à porter victorieusement sa croix, à capacité à aborder les éléments à la responsabilité que Dieu nous donne dans l'appel qu'il a sur nous. Il doit nous le révéler, il doit connaître ta coupe. Et lorsque tu connais ta coupe, oh, tu ne peux pas porter cette coupe. Tu peux pas porter les exigences sur l'appel de Dieu sur ta vie avec tes capacités propres. Jésus-Christ est dépouillé de sa volonté propre. Oh, la volonté propre ne peut pas accomplir la gloire de Dieu. Jésus nous enseigne ça. Il s'est dépouillé de sa volonté propre. Sa volonté propre qui était de repousser. Pour lui, c'était de repousser d'une heure la croix. D'une heure, une heure de répit. Pas abandonner, mais repousser. Mais c'était sa volonté propre. Mais Jésus savait que la volonté de Dieu est le saut et le chemin pour réussir victorieusement à accomplir ce pourquoi Dieu nous a appelés. C'est le chemin victorieux pour accomplir les attentes de Dieu. Jésus-Christ alors s'est donc débarrassé de sa volonté. Dites au fond un lieu, il faut que tu te décharges de ta volonté. Fais la liste de l'ensemble de tes volontés. Non, moi j'aime ceci, moi je préfère comme ça, moi c'est oui. Tout ce que toi tu veux là ne peut jamais t'aider à accomplir pleinement à la satisfaction du cœur de Dieu, les exigences de Dieu sur ta vie. Alors la volonté propre, Jésus s'est débarrassé de sa volonté propre. Oh, Jésus s'est dépouillé de lui-même, pas seulement de lui-même, de sa volonté propre, frère. Donc, lorsqu'on veut aborder la croix, oh, victorieusement, on se dépouille de sa volonté propre. Oui, voici ce que je veux, moi j'aime ça, moi je n'aime pas ça. Moi... Oui, ça c'est ta volonté propre. Maintenant, tu dois pouvoir embrasser qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Donc, Jésus s'est débarrassé de sa volonté propre. Et la troisième chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu, quand il s'est débarrassé de sa volonté propre, et donc ce qui s'est passé. Et voilà où Jésus a eu la victoire. Voilà où Jésus a eu la victoire. Jésus s'est débarrassé de sa volonté propre. Et la Bible nous dit, un ange, au verset 43, un ange lui apparut du ciel pour le fort. Alléluia. Tu ne peux pas porter la croix ou les exigences de Dieu sur ta vie si Dieu n'envoie pas la fortification du ciel, si tu n'es pas fortifié par Dieu. La volonté propre, tes expériences propres ne peuvent jamais et sont un échec par rapport à l'accomplissement des desseins de Dieu sur ta vie qui vont satisfaire le cœur de Dieu. La seule chose qui peut satisfaire le cœur de Dieu, c'est ce qui vient de Dieu. Alors, pour accomplir et porter à bon escient les exigences de Dieu, sur nos vies, ce qu'on appelle la croix. C'est au travers de ce qui vient de Dieu. Et pour que Dieu te donne ce qui vient de lui, tu dois te débarrasser de tes expériences, tes capacités personnelles. Ce n'est pas avec ton niveau intellectuel que tu vas porter ta croix. Tu dis, non, c'est bon, comme Dieu m'a appelé à être un ministre aux enfants compétents et que je dois porter les enfants, alors quand j'ai fait des études en petite enfance, ma capacité managériale de la petite enfance va m'amener à bien planifier. Tu vas échouer et ça ne va jamais satisfaire le cœur de Dieu. Ça ne va jamais satisfaire le cœur de Dieu. Ça ne va jamais satisfaire le cœur de Dieu.
Oh, tu as appelé à enseigner et tu dis, oh, comme j'ai fait des études et je suis charismatique, une capacité inhabituelle de parler et que j'ai un bon background philosophique, scientifique, avec un bon niveau littéraire et avec une bonne cosmologie scientifique, dans la connaissance astrologique, je peux mieux expliquer la parole. Tu vas échouer, frère. Tu vas échouer. Parce que rien de la chair, rien de la volonté propre ne peut satisfaire le cœur de Dieu. Amen. Rien de la volonté propre ne peut te permettre de porter, d'accomplir pleinement les exigences de Dieu. Je veux qu'une personne prie déjà par rapport à toi. Oh, beaucoup de gens, nous échouons parce que nous pensons accomplir les exigences. D'autres, nous ne connaissons même pas déjà ce que c'est que la croix pour nous. La croix. Tu confonds même la croix. Ce qui relève du péché, tu appelles la croix. Ce qui relève des restrictions que tu dois faire, tu appelles la croix. Ce qui relève des brisements des liens et des malédictions, tu appelles la croix. Non! Il faut pouvoir connaître la croix que le Seigneur te donne. Et lorsque tu connais, cela sont les exigences au quotidien de ta vie. Ce sont les exigences relatives à l'appel de Dieu sur ta vie. Et lorsque tu connais ces exigences, ce à quoi Dieu t'appelle et ce pourquoi tu dois souffrir pour le Seigneur, la Bible nous dit la première chose, ce n'est pas de commencer à avoir ton background intellectuel, ta capacité inhabituelle de porter la chose selon la chair. Non, c'est la prière. Et c'est se dépouiller de sa volonté propre, de sa capacité propre, déposer ça au trône de grâce, sur l'autel, afin que cela soit consumé. Et maintenant, être revêtu de la force d'en haut. Et la force d'en haut te permet donc de porter victoire. Là, Jésus accomplit pleinement la croix. Donc, tout ce qu'on verra plus tard sur le chemin de la croix, sur la croix, le tombeau, Jésus avait déjà gagné au jardin de Gethsémani. Tout était gagné là-bas. Alléluia. Tout était gagné. Tu veux gagner? Tu peux gagner l'appel de Dieu sur ta vie. Déjà au lieu de prière. Tout est gagné pour les 50 prochaines années, pour les 30 prochaines années, pour les 15 prochaines années, les 20 prochaines années. Amen. Tu peux déjà gagner. Mais si tu penses que tu vas planifier ta marche avec les 15 prochaines années en planifiant sur tes diplômes managériels, que bon, il me faut une capacité managériale, il faut gérer tel diplôme. Les diplômes sont bien. Nous ne disons pas que les diplômes sont mauvais. Amen. Les diplômes sont bien. Luc était médecin. Amen. Amen. Mais nous sommes en train de dire l'accomplissement des exigences de Dieu sur nos vies. Il faut se dépouiller de sa capacité. Rien de la chair, rien de l'homme ne peut accomplir la volonté de Dieu. Pour accomplir la volonté de Dieu, on reçoit de Dieu la capacité de l'accomplir. Afin que la gloire revienne sur la Dieu. Amen. Donc, une personne prie, derrière, nous sommes sur le troisième point. Qu'une personne prie pour que nous puissions saisir cela et que nous corrigeons nos cœurs. Déjà de la façon que nous traitons la croix. Beaucoup d'erreurs sur la croix. Ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que la croix. La croix devient comme une blague. Non. La croix est relative aux exigences au quotidien de ta vie du disciple, aux exigences de l'appel de Dieu sur ta vie. Donc, tu dois connaître l'appel de Dieu sur ta vie pour connaître complètement la croix que tu dois porter, la coupe que le Seigneur te donne. Tu dois connaître l'appel de Dieu. Si tu ne connais pas, tu dois chercher jusqu'à trouver cet appel et connaître donc les exigences liées à cet appel. Cela est relatif donc à ta croix que le Seigneur te donne. Et le Seigneur va se glorifier en cela. Donc, une personne prie déjà par rapport à cela. Que nos cœurs saisissent ces réalités. Amen. Notre Père et notre Dieu, merci parce que tu as donné à chacun une coupe qu'il doit boire. Encore faudrait-il que chacun sache que voici la coupe que le Père m'a donné à boire. Nous prions donc dans le nom puissant de Jésus-Christ pour que chacun discerne, distingue et identifie la coupe liée à l'appel de Dieu sur sa vie, aux exigences de cet appel de Dieu sur sa vie. Afin qu'il n'y ait plus de confusion, afin qu'il n'y ait plus d'embrouille, afin que les choses soient claires pour chacun et que chacun se concentre sur sa coupe donnée par le Père à lui. Béni sois-tu, Seigneur, pour les corrections que tu apportes. Béni sois-tu, Seigneur, pour les corrections que tu apportes. Amen. Amen.
Amen. Donc, Jésus, le modèle, nous dit donc comment être victorieux. Donc, il s'est déjà dépouillé de lui-même et il a revêtu la puissance qui venait d'en haut. La Bible dit qu'un ange du ciel vint et l'ange du ciel le fortifia. Amen. Et la Bible nous dit que sur ce chemin, il y avait des angoisses. Et Jésus-Christ nous montre la transparence de sa vie. Au verset 44 de Luc chapitre 22, la Bible dit « En proie aux angoisses, il priait plus intensément. » C'est pour ça que nous allons aborder le quatrième point de l'échelle, la prière intense. Amen. Donc, Jésus nous montre qu'en fonction des exigences de l'appel de Dieu sur nos vies, il y a une gradation. Tu vois, tout est porté par la prière. C'est pour ça que, comme le pasteur dit, il faut augmenter le volume de prière. C'est indispensable, même pour toi personnellement. La Bible dit, Jésus a prié. Deuxième étape, Jésus-Christ a abandonné sa volonté propre, ses désirs propres, pour prendre la volonté de Dieu. La troisième étape, il a reçu la puissance qui vient d'en haut pour être fortifié. Et la troisième chose, la Bible dit qu'il a augmenté la prière. Donc la fortification n'est pas venue pour Jésus aille se balader. La Bible dit qu'un lorsqu'il est fortifié, il a augmenté la prière. Donc il a prié plus, il a augmenté l'intensité de la prière. Amen. Les exigeants plus, on peut faire comme une courbe mathématique simple, selon l'axe des ordonnées, donc vertical. On peut voir là les exigences de l'appel de Dieu sur sa vie. Et selon l'axe des abscisses horizontales, on peut voir ici l'intensité de la prière. Amen. L'intensité de la prière est proportionnelle aux exigences de l'appel de Dieu sur ta vie. Plus les exigences sont présentes, plus tu dois augmenter la prière. Tu ne dois pas augmenter la stratégie managériale. Plus les exigences sont présentes, plus tu dois augmenter la prière. La Bible dit lorsqu'il était fortifié. Et quand Dieu va t'envoyer le Seigneur pour te fortifier, alors qu'est-ce qui doit se produire? La prière doit augmenter. C'est un appel à prier. Et à augmenter l'intensité de la prière. C'est la même chose pour l'Église. Dieu a les exigences, comme sur les individus, les exigences sur l'Église, sur les Églises. Église en tant que corps de Christ, épouse du Christ. Avec des appels distincts, parce que les églises ont également des appels distincts. Chaque église doit connaître son appel distinct dans une œuvre et pouvoir connaître la coupe que le Seigneur donne à cette église de boire. Il y a des coupes qui ne sont pas les coupes que le Seigneur donne à des églises. Chaque église, chaque pasteur doit être responsable de connaître la coupe. C'est le Seigneur qui vient de mettre ça sur mon cœur, je n'avais pas prévu ça. Mais chaque église et chaque pasteur doit être responsable de connaître devant Dieu la coupe que le Seigneur donne à son Église. Ce n'est pas toute coupe, ce n'est pas toute croix que l'Église est appelée à porter. Mais il y a une coupe que le Seigneur donne à chaque Église. Et chaque pasteur doit connaître cette coupe-là. Et par conséquent, l'Église a prié. Et quand le Seigneur va revêtir l'Église d'autorité et de puissance pour les fortifier dans ce à quoi il les appelle, ça doit se matérialiser proportionnellement à l'intensité de la prière qui augmente dans cette église. Amen. Amen. Ça, c'est comme ça qu'on gère la coupe que le Seigneur donne. Donc, la prière, Jésus augmente la prière. Il augmente l'intensité de la prière. Et la Bible nous le dit au verset 44. Il augmente l'intensité de la prière. Et plus tard, la Bible nous dit que Jésus-Christ a fait une chose. Et c'est un appel. Nous avons vu ça déjà ces derniers temps. Jésus-Christ était un homme modèle, le Fils de Dieu devenu homme, mais modèle. Il nous enseigne quelque chose qui m'a marqué sur le chemin de la croix. Lorsqu'il portait tous ses fardeaux, Jésus n'a pas oublié sa tâche et sa responsabilité vis-à-vis des autres. Et c'est là que je veux m'arrêter pour prendre quelques questions et nous allons prier. La Bible nous dit au verset 45, il se releva de sa prière et vint vers les disciples, il trouva endormis et tristes. Amen. Et il a dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. Jésus-Christ, malgré le fait qu'il était dans ses combats personnels, concernant l'appel de Dieu, les exigences de l'appel de Dieu sur sa vie, en cinquième point, j'ai dit, Jésus n'a pas oublié sa responsabilité personnelle comme gardien de son frère. Amen. Jésus-Christ a continué à veiller sur les disciples.
Oh, eux aussi, ils devaient augmenter la prière. Ils devaient augmenter la prière. Parce que eux aussi, avaient des exigences. Ils avaient des exigences. Jésus ne s'est pas concentré sur lui-même. Oh, il prie, oui, c'est bon, la paix de ma vie. Non, Jésus nous enseigne ici la notion de corps, frère. Nous voyons Jésus dans les exigences, en train de gérer les exigences de sur sa vie. Nous, on le voit aussi en train de veiller sur les autres pour qu'ils pressent l'avant, pour qu'ils ont mal ouvert le prière parce qu'il y avait des exigences qui les attendaient également. Et ils ne devaient pas céder à la tentation pour abandonner ce à quoi Dieu les appelait, les attentes de Dieu au quotidien pour eux. Jésus veillait sur son frère. Jésus aimait les disciples. La situation dans laquelle Jésus passait par rapport aux gens de Dieu sur son appel n'avait pas fait à ce que Jésus se déconnecte des autres. Que Jésus se déconnecte, je crois que chacun se bat à la vie chrétienne, là, c'est personnel, chacun se bat à deux sens. Non, Jésus n'a aussi la notion de corps. Lui, il avait les exigences. Lui, il priait. Lui, il avait un Dieu spécifique. Lui, il s'était déchargé de sa volonté propre. Lui, il avait augmenté sa prière. Mais il s'était aussi soucié des autres. Que non, frère, vous devez aussi augmenter. Vous devez aussi augmenter. Amen. Oh, il se souciait des autres. Il se souciait des autres. Il était le gardien de son frère. Oh, que les exigences de la paix de ta vie ne te fassent pas devenir égoïste. Tu ne gardes même plus ton frère. Tu n'encourages plus le frère. Tu dis, bon, si moi là, ça va, c'est bon. Si je suis bien, moi, c'est bon. Non, Jésus se souciait. Que frère, il y a la tentation, frère. Veillez, priez, frère. Vous n'avez pas pu. Et la Bible et les disciples étaient tristes. Donc, sortez la tristesse, frère. Priez, priez, priez. Il donnait le modèle. Il donnait montrer comment lui gérer les échanges de sa vie. Et il les appelait à faire comme lui. Amen. Je veux m'arrêter là. Qu'une personne puisse que nous soyons comme des Jésus. Comme Jésus-Christ. Que les exigences de Dieu sur nos vies ne nous empêchent pas de devenir égoïstes. On ne s'intéresse plus aux frères. À ce que la vie de prière des frères devienne. On ne sollicite, on prie seul. On ne vient même pas prier avec les autres. Non. Que tu pries seul, que tu viennes également encourager les autres en priant avec les autres. En priant avec les autres. Amen. Qu'une personne prie. Si quelqu'un a une question, on va prendre les questions ou un élément avant de donner quelques sujets de prière. Et nous allons élever cela ensemble. Père, te bénissons en te rendant grâce au Père pour ce message. Merci encore pour le rappel sur l'importance de se tenir dans la prière, autant seul qu'avec tous les autres, avec les frères, pour former le corps. Mais aussi quand nous portons notre croix, quand nous portons nos exigences, les exigences de l'appel de Dieu sur nos vies, de ne pas oublier nos frères, de ne pas oublier nos sœurs, de ne pas oublier tout cela, avec qui nous marchons, avec qui nous formons le corps, parce qu'ainsi, le corps avance, le corps grandit, et le corps accomplit totalement toute la volonté de Dieu sur sa vie. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous, pour que cela soit notre quotidien, que cela soit notre message et que nous nous en saisissions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sinon, on peut, quelqu'un de nous veut prier? Sinon, nous allons donner quelques sujets de prière avant d'arrêter. Ou bien, y a-t-il des questions? Avant que nous levons la voix pour prier, y a-t-il des questions, des préoccupations? Peut-être tu ne connais pas l'appel de Dieu sur ta vie. Peut-être tu ne connais pas les exigences de Dieu. Tu as constaté, ah, est-ce que je connais même les exigences de Dieu sur ma vie? J'avance, est-ce que je connais les exigences de Dieu sur ma vie? Et tu ne sais pas comment t'en prendre pour connaître les exigences de Dieu sur ta vie. Ça peut être une question. Comment connaître les exigences de Dieu sur sa vie? Comment connaître? Comment je fais pour connaître? Peut-être j'ai avancé là sans connaître les exigences, alors j'étais en train de porter peut-être des croix qui n'étaient pas les croix que le Père m'avait données. Tu dois recentrer toutes choses pour repasser cela vraiment au laser. Est-ce que vraiment, au scanner, quant à moi, est-ce que vraiment toutes ces choses-ci, ce sont les exigences de Dieu sur ma vie? Est-ce que ce sont les coupes que le Père m'a données? Ou ce sont les coupes que la famille m'a données? Les poids liés à la famille, les poids liés aux relations, les poids liés aux responsabilités. Moi, je ne sais pas, tu me charges. Est-ce que c'est mon coup? Peut-être tu veux savoir. Tu as peut-être quelque chose dedans. Et tu as encore tout pour la question. Est-ce que cette chose, si c'est l'exigence de Dieu sur ma vie, est-ce que c'est ma coupe? Tu ne sais pas. Et tu veux poser la question. Et tu veux peut-être présenter ça au peuple pour dire, voici un élément, par exemple, qui me dérange. Je ne sais pas si c'est une exigence ou bien c'est une croix. Ou bien tu as encore porté une croix depuis longtemps et tu te disais que c'était ta croix. Mais après cet enseignement, tu t'aperçois que, mais
Peut-être ça, c'est une croix de malédiction. Je sens que je portais comme ça, et je croyais que c'est la croix que Dieu m'avait donnée. Ou bien c'est une croix comme la croix du brigand, que c'est lié aux conséquences de certains péchés. Et moi, j'étais déjà à l'aise dedans. J'étais à l'aise dans ça, que bon, c'est, bah, tu as voulu que ça soit comme ça. Non. Peut-être tu voulais que nous prions avec toi, afin que cette croix, si c'est une croix qui ne vient pas du Père, oh, quel, tu sois déchargé, ou te donner le conseil, ou dis, frère, décharge-toi de cela, de telle manière, de telle manière, de telle manière. Donc, peut-être cela. Peut-être tu as du mal. Tu connais déjà Jésus sur ta vie. Et tu as du mal dans la prière à planifier ta vie de prière. À prier seul. Et tu voudrais savoir, il y a les frères là qui prient. On pourrait t'apporter quelques éléments qui peuvent t'aider à booster ta vie de prière. Peut-être tu agissais dans ta volonté propre et tu ne sais pas si c'est ta volonté propre dans la manière où tu étais en train d'agir dans les essais de Dieu sur ta vie. Ou bien c'est que c'est, ça vient de Dieu, la manière où tu agissais. Et tu commences à être confus. Et tu voulais poser cette question pour dire, ah, vraiment, voilà, l'appel de ma vie, c'est telle chose. Mais voilà la stratégie que moi, j'ai mis en place. Je ne sais pas si c'est ma volonté propre ou c'est la volonté de Dieu. Tu voulais poser également cette question. On peut également t'apporter des réponses à la lumière de la parole et de l'Esprit Saint pour dire, oui, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ou ça, ça vient de toi. Et voici comment tu dois faire pour recevoir la volonté de Dieu pour accomplir telle chose. Donc, sois libre. J'ai essayé d'étayer de façon un peu plus pratique les éléments de question pour que tu puisses t'identifier si c'est ton cas, de présenter librement afin qu'ensemble, nous puissions apporter des éléments. Ou toutefois, si nous n'avons pas des éléments, nous allons prier avec toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est le directeur de la moisson du Seigneur. Et il est là. Amen. Donc, nous allons donner quelques minutes pour prendre des questions par rapport à ce qui a été présenté. Et nous sommes là pour apporter les questions, les réponses. Gloire à Dieu. Amen. Alors, personnellement, je ne pose pas la question, mais c'est vraiment pour avoir un élément de réponse supplémentaire pour les personnes qui pourront également se connecter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà posé cette question et d'avoir des éléments complémentaires est toujours... important. Donc, comment on fait pour connaître l'appel du dessein de Dieu sur sa vie? Comment on fait pour connaître sa croix? Amen. Est-ce que quelqu'un veut répondre à notre sœur? Amen. Amen. Ok, je vais donner quelques éléments. Et puis, je vais donner aussi quelques éléments pratiques, comment moi, j'ai connu l'appel de Dieu sur ma vie. Amen. Donc, je vais prendre le cas de l'apôtre Paul, la conversion de Paul. Comment Paul a connu l'appel de Dieu sur sa vie? Donc, dans Actes des Apôtres, au chapitre 9, dans Actes des Apôtres, au chapitre 9. Voici ce que la Bible nous dit. Je vais prendre juste quelques éléments. Je vais lire à partir du verset 1, rapidement. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il s'y trouvait quelques-uns des hommes ou femmes qui suivaient cette voie, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était encore en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes.
il te serait difficile de regimber contre les aiguillons. Tout tremblant, stupéfait, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors, le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui voyaient avec lui, qui voyageaient avec lui, s'étaient arrêtés muets et de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se leva de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir, ni manger, ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue, appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, il a vu une vision, en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire qu'il a menacé beaucoup, fait du mal à beaucoup de croyants. Je saute rapidement l'obéissant d'Ananias. Au verset 15, mais le Seigneur dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Amen. Donc, on pourra lire plus tard, la personne, vous pouvez lire plus bas encore. Ici, dans le cas de Paul, de l'apôtre Paul, la Bible nous dit, quand la rencontre de Jésus avec Paul, c'était une rencontre fracassante. Et Paul a posé la question, lorsqu'il a rencontré Jésus, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et Jésus, le concernant, a dit, va dans la ville, on va te dire ce que tu dois faire. Amen. Donc, dans les gens de Dieu pour ta vie, Dieu peut utiliser un homme pour poser les jalons, pour te dire ce que tu dois faire. Un homme à qui Dieu a parlé. Ça, c'était le cas de Paul. Paul, si Dieu parlait directement à Paul, Paul était un homme très orgueilleux. Et il pouvait s'enorgueillir de ça. Donc, Dieu l'avait mis sous l'autorité de quelqu'un pour qu'il l'apprenne. Amen. Donc, et Dieu avait révélé dans le cas de Paul les exigences de Dieu sur la vie de Paul à un certain Ananias. Il lui a dit, va, voici ce que je veux faire de lui. Et au verset 15 et 16, Dieu explique clairement à Ananias les exigences de Dieu sur la vie de Paul. Mais quelque chose de glorieux, c'est que Dieu dit au verset 16 à Ananias, je lui montrerai combien. Amen. Donc, en partie, Dieu accorde dans le cas spécifique de Paul, via sa conversion, c'était un homme très égaux de lui-même. Et pour briser ça dès sa conversion, un but de lui-même, pour briser ça dès sa conversion, Dieu a voulu le mettre sous un homme pour l'amener à prendre sous un homme. Et si Dieu lui disait tout, Paul devait être un indépendant. C'était quelqu'un qui avait une volonté très forte. Pour casser cela, Dieu l'a amené sous quelqu'un. Et Dieu a révélé ses exigences en partie à Ananias. Dieu a donné à Paul les premières pépites. Mais Dieu dit à Ananias que je vais lui révéler plus tard ce qu'il va souffrir. Donc, les détails des exigences de Dieu sur la vie de Paul, vous pouvez faire un parcours, vous verrez que Dieu plus tard s'est révélé à Paul plusieurs fois. Lorsque Paul est allé à Tarse, le Seigneur l'a apparu, il l'a enlevé jusqu'au ciel et il a fait voir à Paul les choses ineffables. Il a montré à Paul plusieurs visions plus tard lorsqu'il était à Tarse. Donc, vous voyez que là, au début de sa conversion, le Seigneur a donné les exigences. Dieu n'appelle pas les gens à rien faire. Le désir de Dieu, nous verrons encore un autre cas, c'est d'appeler les gens à des choses claires. Amen. Donc, ça, c'est le cas de Paul. Nous verrons un autre cas, rapidement, le cas de Barnabas, un aide apostolique. On verra le cas de Barnabas. Je veux rapidement aller dans Jean. Okay. Attends, c'est dans Acte. Je suis dans Acte toujours. Je ne quitte pas Acte. Ok. Je vais rester dans Acte des Apôtres. On va prendre un autre cas, celui de Barnabas. Amen.
Barnabas était plus tard, quand vous, si vous, faites, vous faites le parcours biblique, il était plus tard un des conviés de Paul. Il était un aide apostolique avec Paul. Ils ont commencé à œuvrer à Antioche. Et c'est d'Antioche que le Saint-Esprit les a envoyés pour l'œuvre à laquelle il les avait appelés. Donc, nous allons voir ici le cas de Barnabas. Donc, dans Actes au chapitre 1, au verset 23, rapidement, je veux lire, bon, pour qu'on comprenne, je ne veux pas lire tout le chapitre, je veux lire le verset 23, mais c'est que pour comprendre, ici, la Bible nous parle de lorsque Judas est parti, lorsque Judas s'en est allé, dans Actes chapitre 1, la Bible nous dit que les apôtres voulaient quelqu'un pour remplacer Judas. Amen. Les apôtres voulaient quelqu'un pour remplacer Judas. Et ils ont donné les critères pour la personne qui devait remplacer Judas. Et comme critère, ils ont, qu'est-ce qu'ils disent comme critère? Au verset 20, on dit, ainsi parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. Donc, pour avoir la position d'apôtre, il fallait avoir donc ces critères, être avec le Seigneur Jésus depuis qu'il a été baptisé, le temps de Jean, jusqu'à la mort de Jésus et jusqu'à la résurrection. Il fallait quelqu'un qui ait suivi tout l'enseignement de Jésus-Christ. Et on avait présenté aux apôtres deux personnes, il y avait Justus et Barnabas. Matthias et Barnabas, donc, si nous manquons Judon, Barnabas. Et la Bible nous dit qu'on choisit, on avait choisi Matthias. Et puis, je reviens donc dans Actes chapitre 11, ce que la Bible nous dit. La Bible dit dans Actes chapitre 11, ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution. Donc, je vais d'abord lire plus, pour qu'on connaisse qui est ce Barnabas. C'est plus haut. Dans Actes chapitre 11. Voilà. Donc, les apôtres vendirent, c'est le passage qui parle des apôtres qui vendirent, les disciples qui vendirent les terrains et déposent au pied des apôtres. Excusez-moi, je trouve rapidement ça. Acte 5. D'accord, merci, j'y suis. Donc, Acte chapitre 5. La Bible nous dit ceci. Mais un homme du nom d'Ananias avec sa fille. Non, c'est plus haut. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4 chez moi. On dit la multitude de ceux qui avaient cru. Donc, Acte chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru était qu'un seul cœur, d'une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais tous étaient dans le commun accord. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux, car il n'y avait personne d'indigent parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres et l'on distribuait à chacun selon ce qu'il avait besoin. Joseph fut nommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de l'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Donc, on voit ici la vie de Joseph comme aide apostolique. Mais le Seigneur vient donner une tâche claire. Donc, il travaille dans la tâche des apôtres. Je veux qu'on saisisse ça dans son cas. Dans son cas, Joseph, il a marché avec, depuis le début avec Jésus. Il était avec eux tout autour. Il a vu la résurrection de Jésus-Christ. Il est resté même auprès des apôtres. Il servait auprès des apôtres. Il vendait même ses biens. Il donnait pour qu'il ne manque pas auprès des apôtres. Les apôtres l'avaient appelé fils de l'exhortation. C'est un homme qui exhortait. On l'avait surnommé fils de l'exhortation. Mais la Bible nous dit que pendant qu'il travaillait donc sous les apôtres, au verset, chapitre 11, verset 9, quelque chose se produit donc par rapport à. C'est à quoi les exigences de Dieu sur sa vie. Je veux qu'on voie les étapes. Donc, il y a des personnes à laquelle tu ne connais pas clairement les exigences de Dieu sur ta vie, mais tu commences à servir une personne où Dieu te met.
Pendant que tu cherches une personne que Dieu te met, Dieu ouvre la, Dieu te lève et il ouvre dans la voie pour ça à quoi il t'appelle. Amen. Ça, c'est une deuxième base, le cas de Barnabas. Et pendant que Barnabas servait, donc, comme on a vu, il a été depuis le début, il a marché, quelque chose se produit donc. Au verset chapitre 11, la Bible dit, ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution, survenus après la mort d'Étienne, allaient jusqu'à Phénicie, à Chypre, à Antioche. Ils annonçaient la parole aux personnes, à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi quelques-uns des hommes qui venaient de Chypre et de Cyprien, de Cyrène, qui venus à Antioche, parlaient aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La main du Seigneur était avec eux. Et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit donc parvint aux oreilles des apôtres à Jérusalem. Et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Amen. Lorsque qu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu attaché au Seigneur. Car c'était, Barnabas, c'était un homme bon, rempli d'esprit saint, de foi, et une grande foule nombreuse joignit le Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse pour chercher Saul. Amen. Et la Bible dit donc, en ces jours-là, au verset 27, des prophètes descendus de Jérusalem à Antioche, l'un d'eux, du nom de Agabus, se leva et déclara par l'esprit qu'il y avait, il y aurait une grande famine sur la terre. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Les disciples décidaient donc d'envoyer chacun selon leurs moyens des secours aux frères de Judée. C'est ce qu'il fit. Il envoyait aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Paul. Donc, là, on voit le cas ici de Barnabas et de Paul. Amen. On voit que le cas de Barnabas et de Paul. Barnabas, par exemple, lui, il a servi auprès des apôtres et Dieu a ouvert une porte pour son appel et on l'a envoyé comme missionnaire. Amen. Donc, son appel a été, il était au service des apôtres, il était loyal au service et Dieu, au moment venu, a ouvert une brèche pour son appel. Dieu l'a mis sur un homme où il servait. Et de là, Dieu a ouvert une brèche où il a ouvert une porte pour son appel apostolique. Amen. Et enfin, je ne veux pas lire, mais nous voyons aussi rapidement le cas d'Étienne. Le cas d'Étienne, Étienne était diacre. Il y a eu un problème dans l'église à Jérusalem et on a demandé de choisir des personnes de qui on rend un bon témoignage et des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. L'église a choisi Étienne, Procor, Nicanor, Parménas, Prosélyte, d'Ankété, Prosélyte, d'Antioche, qui avait été établi à charge de diacre dans l'église. Amen. Mais plus tard, l'appel d'Étienne a évolué. Étienne est devenu un évangéliste, un enseignant. Et la Bible nous parle, tu peux lire le discours d'Étienne dans Actes chapitre 7. Ce grand discours. Amen. Donc, l'appel, les exigences ont évolué. Dieu a pris Étienne, l'a établi, et plus tard, il a amené à une autre dimension. Son appel a évolué. On voit la même chose avec Philippe. Philippe était également diacre dans l'église. Le Seigneur l'avait établi comme diacre dans l'église par imposition des mains des apôtres, établi par l'église. Et plus tard, Dieu également l'a fait évoluer. Il est devenu l'évangéliste Philippe. Et partout, les villes où il passait, il évangélise. Amen. Donc, la prochaine fois, on reviendra sur mon cas. Donc, on va s'arrêter là. Donc, on a vu, on résume rapidement les éléments liés à la réponse de la question de notre sœur. On a vu, un, les questions de l'appel, le cas de Paul. Dieu a appelé Paul. Dieu a révélé à un homme son appel. Plus tard, Dieu lui a donné les détails liés à son appel. On a vu le cas de Barnabas. Il était avec les apôtres qui servaient auprès d'un homme. Et Dieu, à un moment donné de sa vie, a ouvert une porte pour son appel et il a été envoyé, établi et envoyé. Et le Seigneur a confirmé plus tard. Et nous voyons le cas d'Étienne, de Philippe, qui était établi plutôt. L'Église les a choisis à cause de leur témoin. Il les a établis. C'est une tâche dans l'Église. Donc, il y a la responsabilité également de l'Église. Et plus tard, Dieu, le Seigneur a fait évoluer leur appel. Philippe, Étienne est devenu un bon enseignant de la parole. Donc, on voit au chapitre 7. Et on voit aussi le cas de Philippe, lui qui est devenu un évangéliste de renom. Amen. Et on peut le voir dans Actes au chapitre 8, à partir du verset 5, l'évangélisation de Philippe, la conversion de l'eunuque éthiopien. Et même plus tard, les églises que Philippe a établies et que Pierre et Jean sont venus consolider. Donc ça, mais le Seigneur peut également appeler directement Jésus qui s'appelait directement les apôtres.
Il a appelé Pierre, j'ai fait de toi un pécheur d'homme. Donc, c'était directement Jésus s'est révélé à Pierre, lui a dit son appel directement. Amen. Je vais prier, nous allons arrêter, nous avons dépassé le temps. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour le privilège que tu nous as donné d'être dans ta présence. Merci pour cet enseignement. Je te bénis pour le temps que nous avons passé. Je prie que tu donnes à chaque saint de digérer cet enseignement et que cela trouve des cœurs fertiles pour porter du fruit. Je prie que tu nous conduises et que tu nous gardes dans ton amour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Sois béni.